coco. Il était une fois, dans un cadre verdoyant où les montagnes semblaient sculptées et où tournoyait une délicieuse odeur de bonbons des pins, une petite famille qui vivait dans un joli chalet. Il y avait Vink, le papa, Ellie, la maman, et Yaya, leur petite bouille d'amour. Un matin, alors que Yaya comptait les escargots baveux dans le jardin, un lutin apparut comme par magie, au pied d'un magnifique champignon luisant et tacheté. Yaya en resta sans voix. Mais qui es-tu ? Je m'appelle Coco, et je suis là pour te livrer un message secret. Cette nuit, je viendrai subtiliser la clé de votre chalet. La clé de notre chalet ? Mais pourquoi ? On ne pourra plus sortir. Non, et ne la cherche pas, car tu en trouveras d'autres, de bien plus précieuses, qui t'ouvriront bien plus de portes. À peine avait-il fini sa phrase que paf ! Coco disparut, comme par magie. Toute la journée, tracassée, Yaya ne pensait qu'à Coco. Le dîner arriva. À la lueur de la cheminée, Yaya, la bouche pleine de soupe, commençait à ressentir ce petit nœud. Ce petit nœud d'angoisse à l'idée d'être privé de ses libertés, ne plus pouvoir sortir de chez soi, ne plus pouvoir se balader, ne plus pouvoir regarder le paysage défilant indéfiniment depuis le siège arrière de l'auto de maman, ne plus pouvoir rendre visite à papy et mamie, ne plus voir tonton Olf ni tata Mandy. Le craquement des braises faisait maintenant écho avec le craquement de son cœur. C'était l'heure d'aller se coucher. Alors, après avoir joué un petit moment avec papa et maman, il prit discrètement la clé du chalet, alla se coucher et quelques bisous plus tard, serra très fort la clé entre ses doigts, comme si c'était le doigt de maman. Il ferma péniblement un œil, puis l'autre, en serrant toujours un peu plus fort cette clé contre son cœur. La nuit fut tumultueuse. Il rêvait de tous ceux qu'il aimait tant, mais instantanément, les cauchemars venaient les dévorer. Quelques heures plus tard, les rayons du soleil frappaient au volet et réveillèrent Yaya. Pris de panique, les yeux encore englués, il regarda son poing, enfin sa main. La clé n'était plus là. Coco était bel et bien venu. Il descendit alors l'escalier et rejoignit la cuisine à l'aveugle, guidé par la délicieuse odeur des pains au chocolat qui cuisaient dans le four. Ni papa ni maman n'étaient attablés. Tous deux retournaient le chalet à la recherche de la clé. Les coussins du canapé volaient à travers le salon. Maman fouillait chacune des poches et papa poussait tous les meubles. Des moutons en témoignaient un peu partout. Ce qui les stoppa fut l'odeur des pains au chocolat brûlés. Papa, sur un ton très officiel, nous annonça alors que la clé du chalet avait officiellement disparu et que les conséquences, nous les connaissions tous. Nous nous retrouvions confinés tous les trois dans le chalet. Nous nous sommes regardés à tour de rôle dans le blanc des yeux, où roulaient dans tous les sens des billes en guise de pupilles. Des choses allaient changer, mais une chose était sûre, nous étions ensemble. Nos mains se sont soudainement liées pour ne faire plus qu'un. Ainsi, tel un funambule, nous nous apprêtions pas à pas à découvrir cette nouvelle vie. Sans clé, impossible de se rendre au travail. Notre réveil était officiellement au chômage. C'était le soleil maintenant qui nous caressait les joues jusqu'à nous ouvrir délicatement les yeux. Au quotidien, avec papa et grâce aux outils que le Père Noël m'avait offerts, j'ai pu jardiner, réparer toutes les petites choses cassées de la maison et même construire une maison pour les mésanges. Je prenais de plus en plus de plaisir à attendre la visite des oiseaux, à les regarder se poser sur les arbres, puis sautiller timidement jusqu'à leur maison pour picorer quelques miettes de pain et nous offrir depuis leur balcon leur plus belle sérénade. Aux côtés de maman, j'avais appris à casser les œufs,
à verser le lait et à touiller la farine. Les recettes avaient remplacé les heures à pousser les chariots au supermarché. Des crêpes, des gaufres, des brioches, des gâteaux, des confitures, du pain, des tartes. La maison n'avait jamais senti aussi bon et n'avait jamais été aussi chaleureuse. Cette douce chaleur me rappelait celle ressentie pendant nos 9 mois de complicité. Nous qui adorions partir en vadrouille, il fallut trouver des activités afin de rythmer nos journées. Nous lisions alors nos livres poussiéreux, apprenions maladroitement à jouer de la guitare, jouions sans modération au ballon, construisions à foison des avions de papier, écoutions paisiblement de la musique, dessinions tels de grands artistes, découvrions le yoga et regardions d'un œil la télévision et avec beaucoup plus d'intérêt tout ce qui nous entourait. Une abeille butinait une fleur, une araignée tissait sa dentelle, un rouge-gorge sautillait dans les cages de foot, une fourmi transportait une miette oubliée. Nous découvrions la richesse de la vie et celle de notre foyer. Le fredonnement de chansons et la résonance de nos pas de danse remplaçaient le vrombissement de la foule. Les goûters-serviettes au fond du jardin remplaçaient les goûters-poussettes. Et en fin de journée, les jeux de société remplaçaient les moments de complicité toujours trop courts de notre société bien trop pressée. Pour la première fois, nous avions le temps de nous regarder et d'être attentionnés. Le temps de parler et le temps d'écouter, le temps d'apprendre et le temps d'expliquer, le temps de penser et le temps de réfléchir, le temps de rire et parfois aussi de pleurer, le temps de faire des projets mais aussi de s'ennuyer et surtout le temps de s'aimer. Pas une seule fois les mots « dépêche-toi » n'avaient été prononcés. Je crois que nous commencions à aimer cette vie sans clé et sans tic-tac. Bien sûr, nos proches nous manquaient. Et pour cette raison, nous nous jurions dorénavant d'apprécier chaque moment passé à leur côté et de prendre le temps de les aimer. Les balades au grand air et les paysages à perte de vue nous manquaient aussi. Mais nous nous jurions à l'avenir de prendre le temps de les apprécier. Nous venions, grâce à Coco, de prendre conscience de notre bonheur, mais aussi du bonheur dont nous étions privés. Je comprenais alors soudain de quelle clé voulait parler Coco. Les clés du... bonheur. Telle une formule magique distinctement prononcée, Coco apparut derrière une explosion d'étincelles. Les yeux écarquillés de Yaya étaient à la hauteur de son étonnement. Bravo Yaya, tu as trouvé la clé du bonheur. Le temps est alors venu pour moi de vous rendre la clé de votre chalet. Demain matin, à ton réveil, elle sera cachée dans ton poing. Mais sache qu'il n'y aura que toi qui se souviendra de cette expérience. Tes parents n'en auront aucun souvenir. Te voilà donc chargé d'une mission dans la vie, celle de distribuer les clés du bonheur. À peine avait-il fini sa phrase que paf ! Le lutin disparut une dernière fois, laissant derrière lui quelques étincelles virevolter dans les airs. Yaya passa l'après-midi à ruminer les propos de Coco. Le dîner arriva, à la lueur de la cheminée. Yaya, la bouche pleine de soupe, commençait à ressentir une nouvelle fois ce petit nœud. Ce petit nœud d'angoisse à l'idée cette fois-ci d'être privé de temps, d'amour et de petits guilis ressentis dans le ventre face aux choses simples de la vie. C'était l'heure du coucher. Alors, après avoir joué une dernière fois au jeu de société, et à la pâte à modeler, de manière un peu plus nostalgique que d'habitude, Yaya alla se coucher. Accompagné de longs et tendres baisers, il ferma péniblement un œil, puis l'autre, en serrant toujours un peu plus fort son ours en peluche contre son cœur. La nuit fut cette fois-ci étrangement paisible et agréable. Il rêva de ces doux moments de complicité passés en famille, dans le chalet, mais aussi des retrouvailles avec ses proches qui lui manquaient tant. Quelques heures plus tard, les rayons du soleil qui frappaient au volet le réveillèrent.
Il regarda sans tarder sa main, enfin son poing. La clé était là. Il regarda le ciel comme pour remercier Coco. Puis, il dévala les escaliers et rejoignit la cuisine 4 à 4. Comme il s'y attendait, ses parents retournaient le chalet à la recherche de la clé. C'est ça que vous cherchez ? Sans même attendre une réponse, il s'empara de la main de sa maman, puis celle de son papa, les accrocha l'une à l'autre, puis les serra très fort, menton à l'appui contre sa poitrine, jusqu'à sentir tambouriner son cœur. Papa et maman ne comprenaient pas, mais ils semblaient apprécier ce doux moment. Et si on proposait à papy, mamie, tonton et tata de faire tous ensemble une grande balade au bord de mer ? C'est une super idée. En plus, c'est le marché aujourd'hui. Maman, papa et moi, nous apprêtions à passer une journée de bonheur. J'étais pour la première fois de ma vie conscient du bonheur que j'avais et conscient du bonheur que j'allais retrouver. À moi maintenant d'en faire prendre conscience au reste du monde. Et pour cela, j'avais toute la vie. Donc ce sera juste après avoir dévoré mon pain au chocolat. À peine avait-il eu le temps de finir sa phrase que paf ! Il avait disparu à son tour, ne laissant que quelques miettes sur son passage.